Jumel Sassin, ancien président pays Jovenel Moïse, te répond une question. Juge d'instruction Gary Aurélien, dans le cadre des affaires ça, hier, la police a été arrêté James Solage avec 16 autres présumés bandits, un jour après assassinat président République là, dans la commune à Pétionville, et c'est dans la même journée, jeudi, juge d'instruction, attendez, directeur immigration avec immigration, Joseph Sienciroli, directeur, malbaye détail sous possible rentrée divers étrangers sous sol avant assassinat ancien chef l'État Joseph Sienciroli dit il était disponible pour n'importe les juges là tant a besoin donc pour les capables venir répondre en coutel dans micro Mac Gerson Félicité. Bon, c'est besoin d'informations, des explications sur et possible qui t'ait gagné sur l'étranger qui t'ait rentré et époque et assassinat. Bon, on a des informations que nous gagnons et sans nous pas gagner, nous pas gagner. Bon, moi, quoi ça, parce que moi, c'est pas satisfait, mais la chose est là, vous n'y a pas. Bon, je suis définitivement. Comment l'audition a été déroulée? Très bien, très bien. Très bien, l'ambiance est très relaxe. De bonnes questions et de bonnes réponses. Donc, comme d'habitude. Comme d'habitude. Comment ça, le dossier et assassinat président? Et dans même journée ailleurs jeudi à magistrat Gary Aurélien attendait tout James Solage qui était jeune arrestation comme monde qui impliqué dans assassinat Jovenel Moïse. James Solage a payé pour retourner devant juge là d'après avocat maître Pressner Sylvain qui lui-même pas de blé bail trop détails après audition client liant James Solage, yon moun yote arrêté, même journée après assassinat, président Jovenel Moïse était accompagné à 16 mercenaires colombien. Oui, Pressner Sylvain, c'est avocat qui a une difficulté pour nous joindre. Extrait sonore. Ancien première dame République, la Martine Moïse, t'es doué invité dans la chambre instruction criminelle matin à partir 10h. Dans correspondance à juge instruction tribunal première instance Port-au-Prince, là, maître Ikenson et Dumé, yotap Gepoutande, Martine Moïse à titre victime. Nous pas comprendre la chose. Un dossier qui est motif escroquerie, faux accusage de faux en écriture publique sur facturation, blanchiment l'agent, ak association malfectaire contre l'État haïtien. Mais il est possible pour ancien premier dame de ne pas répondre à l'invitation ça, puisque avocat Léo mandé pour reporter l'audience dans l'autre date. Martine Moïse qui était dans le cabinet d'instruction mercredi dans le cadre d'enquête sous assassinat et Maril Jovenel Moïse pendant plusieurs l'autre voix a pleuvé pour demander pour yot attendre dans quatre dossiers docteur Dorval et Martine qui semblait lui-même déjà là après le gain pour marcher en pile dans tribunal et l'été dit lui paraît pour répondre toute invitation la justice fait dans quatre plusieurs dossiers côté yo accusé. Oui. Il y a un cabinet, M. Montferrier d'Orval, qui condamné à des actes de violence qui a fait sous monde, qui a réclamé justice pour bâtonner l'avocat avocat Port-au-Prince. Là, il y a un autre qui peut date jeudi 7 octobre. Oui, 7 octobre, il a condamné à toute force sur toute acte violence qui a maspinaï qui fait sous citoyens qui continue à réclamer justice pour M. Montferrier d'Orval. Dans l'occasion audition ancienne première dame, non, Martine Moïse, dans le palais de justice. Mercredi, on a rappelé mercredi 6 octobre passé, un militant Chad Marslan qui t'a réclamé justice pour bâtonner l'ordre d'avocat Port-au-Prince, maître Montferrier d'Orval. T'es passé un mauvais moment en bas main et partisan ou bien sympathisant Martine Moïse. Il y a ces réactions qui révoltaient cabinet maître d'Orval avec certains autres militants qui craignent pour agissement politique. Ça y est, pas entraver dossier à côté. En pile, mon aptan lumière faite solide.
2740, c'est quantité haïtien, autorité dominicaine, voyé tourner en Haïti, sorti premier pour arriver 30 septembre 2021, d'après rapport au groupe capable du réfugié rapatrié au GAR, de 25 052 l'autre compatriotes qui choisit retourner à propre volonté, ça qui fait un total 27 792 migrants haïtiens qui retournent dans le pays, toujours d'après GAR. Responsable communication structure ça, Mike Lysias, dénoncé autorité haïtienne qui pas fait aucune diligence pour rendre compatriotes haïtiens légal sous terre voisin. GAR fait plusieurs recommandations au gouvernement haïtien dans l'idée pour assister aux ressortissants haïtiens pour éviter de droits continuer violer. Nous allons rejoindre Jean-Georges Blaise, puisque environ deux mois après tremblement de terre, 14 d'août passé, situation arrêtée catastrophique pour plusieurs familles dans le département Niplan. Côté Samba, à Paris, Cocoyé, une bonne famille à Paris, soleil avec l'appui. Mettez sous ça, ça fait de l'eau potable, arrêtez une véritable tête chargée jusqu'à présent. C'est un bas gros difficulté pour Mounio, joindre de l'eau pour le bois. Jean-Georges Blaise, t'as fait une fourniger, regardez en suivant le reportage. Là, nous dans localité Jalousie, comme troisième section communale Plaisance, dans le département Niplan qui pat épanier en bas soukous tremblement de terre. Presque deux mois après tragédie, événement ça semblait être vivant dans mémoire moun sa yo qui pas gain ni relé ni répondre. Côté mouche l'état semblait oublier communauté ça qui aux abois depuis 14 août passé. Et malgré débarquement convoi humanitaire yo après catastrophe là dans grand sud là, jusqu'à présent c'est en bas paille cocoy, mousseau toile, mousseau tapis, en pile la victime yo apparaît soleil avec la pli. Nous la gué pour nous, qu'il est déjà dans l'état, a finalement atterri sous nous. Déclaration, c'est un enfant misayo qui a dormi à la belle étoile. À ta de l'eau potable, représente une véritable tête chargée pour si la yo qui vient pina fait pas bon après catastrophe là. Et qui s'acte à deux priorités pour moun sa yo dans la communauté ya, Géliel Virgil Oxylus, ak magistrat Plaisance et Dimir Til. À expliquer. En attendant, ces organisations non gouvernementales, ça les ONG, quelques bons samaritains tout, à côté mouvement pour développement Kafou, cap fait aller venir dans le département pour porter secours by famille sinistrée. Love Chal, c'est une parmi nos ONG ça qui même promet pour aider victimes yo reconstruire caillou l'autre bois. Hubert Sévrin. En tout cas, avec l'appli cap tombé de temps en temps dans le département Niplan, ça a été pigoté chargé en pile dans famille ça yo, côté certains yo obligé à dormir en bas reste écrasé yo. Alors que, depuis l'événement 14 août passé, t'es à pas chambre suspendre trembler, d'après victime yo, qui toujours n'en courir. Jean-Georges Blaise, Caraïbes FM. Les dans celui du sud côté situation pas différent et par rapport à tableau, Jean-Georges Blaise sous décrit là. Plus passé un mois après catastrophe 14 d'août là tout côté mounio après les moun tout côté mounio à plein nous pral parler avec père Didier qui dans Saint-Louis du sud par rapport à situation zone ça nous espérer que ne pas tromper de position que tu trouver mon père donc dans Saint-Louis du sud c'est bien ça situation li encore une pique critique après tremblement de terre 14 d'août qui était ravagé tout grand sud là bonjour mon père bonjour pour ceux qui pendant ce que va maintenant et bonjour à toutes auditeurs du Caraïbe dans moment ça. Donc nous avons Jean-Georges Blaise qui visitait pour nous région Sahara, dans Grand Sud-là, presque deux mois après tremblement de terre. La côté situation était catastrophique pour plusieurs familles dans le département NIP, côté c'est en Bapaye, Cocoyé, en bonne famille à Paris-Soleil à Clapuy. Moi, je voulais quoi situation pas différente dans le département Sud-PIA, Saint-Louis du Sud en particulier, Cotoyé là. Donc, faut que nous disions c'est Saint-Louis du Sud, mais c'est spécialement 5e section communale qui est les Sucreries-Henri. Côté vraiment situation vraiment critique à la menthe et que nous avons dormi à la belle étoile jusqu'à présent. Et c'est dans des tentes car qui avec toile et en pile majorité, nous n'avons pas gagné pour là, nous pas gagné tente. Vraiment, nous avons traversé un moment, une situation qui est vraiment critique.
Mais comment vous expliquez ça, mon père, qu'il y a un pile aide qui est quand même rivé ou qui est destiné à zone ça, et c'est même plate là, quel que soit côté où aller, que c'est dans Nip, que c'est dans Grandin, c'est même dans sud, côté où il est là, Mounio, pas joindre en rien. Bon, sauf nous dit que majorité est unis, ou peut-être c'est dans quand il y aller, mais on dit qu'il est vraiment souffrir. Et à part quelques gens qui sont un petit peu là, mais jusqu'à présent, majorité mieux toujours et dans la rue. Donc majorité moun yo dans la rue, et m'imaginer situation catégorie moun sa yo était déjà critique, et avec catastrophe là les vini pi critique. Mais qui pi gros problème, qui pi gros besoin moun yo gagné, je dis à moun nan communauté ou localité côté paroisse ou ailleurs? Donc actuellement pi gros besoin moun si kri dan li, c'est-à-dire côté priorité pour capable vivre de façon digne comme monde, parce que actuellement dans tant que nous y a monde pas capable vivre dans conditions bête comme ça, côté c'est en bas pour là à vivre dans des tentes, côté c'est avec toile que monde même y en vivre, c'est à dire nous côté biologie en caille, ça qui est essentiel pour nous pour capable de quoi dans la rue en pile, c'est dans la rue, c'est peut-être ce qui nous construit. Donc c'est pas premier appel ou à faire, et c'est pas premier et fois peut-être pas adressé à concerner ou n'importe monde qui t'a capable et pour ton coup de main et à mon zone, et situation à décrit là, pas seulement concerner localité Kotoéa, c'est toute zone. Et comme religieux et autorité religieuse dans zone et qui parle à mon yo confessé à ou même, et qui gens ou penser et yo ta doué aider moun yo à côté ça qui pi urgent pour zone nan, mais si yo doué bay moun yo un accompagnement, comment ça ta doué fait mon père? Donc n'importe moun qui capable en vienne en aide avec moun, capable contacter moi même en tant que prêtre responsable zone nan, et puis les amis capable tenir avec et avec yo, et puis nous capable aller côté moun loger, côté loger, et donc il y a un pile chiffre nan men nou. Et nous capables de nous même qui besoin d'être dans le moment ça. Merci Père Didier, ou après officier dans une paroisse qui est dans celui du sud où tu as parlé avec nous concernant situation zone ça, une situation qui est encore critique et qui pas différent avec plusieurs autres localités dans le département sud là, plus passé au mois après tremblement terre 14 d'Aoutlan qui était ravagé tout grand sud là. Merci beaucoup et bonne journée mon père. Merci, c'est moi-même qui vous remercie. Jean-Pierre, que je suis attend tout le monde qui est capable de m'aider dans mon moment, parce que vous vraiment à travers une situation critique, chaotique, et nous avons dans des situations infrahimées dans mon moment. Merci, c'est moi-même qui vous remercie. L'autre information dans le journal là, matin, c'est en tout cas, on a parlé de association propriétaire pompe gazio qui eux-mêmes depuis plusieurs jours là a attiré attention autorité sur difficulté au gagner pour alimenter pompe à cause bandit qui a saisi camion yo, kidnappé chauffeur yo. Donc hier, selon information nous réveillons, donc tu as gagné deux camions que bandit est saisi pour pompio, mais nous avons des difficultés matin pour nous parler avec Marc-André Derifons pour Anapros. Et d'ailleurs qu'on interview l'été Banouya, mais qui a des difficultés pour diffuser matin, mais on a essayé de rentrer en contact avec lui. C'est pas facile pour l'été capable d'expliquer une situation, puisque hier l'été parler avec nous pour dire nous gagnant bandio qui continuait à en tout cas saisir camion gazio, donc qui ça qui fait yo dans situation yo pas capable alimenter pompio dans zone vareux, situation répétée, et également sur route Martissant. Donc on a fait contact tout à l'heure avec Marc-André Derifons sur sujet ça côté pompe gazio, gain difficulté pour yo
approvisionné yo à cause bandi qui a pas saisi camion yo n'a pas retourné sous sujet ça tout à l'heure. Bandi yo qui a créé propre loi yo dans pays en côté moun yo obligé vivre selon rite bandi yo moun yo pas passé dans zone côté bandi yo occupé moun yo rentré pi bonheur que d'habitude moun yo vivre avec dans l'esprit yo n'importe l'heure yo ka kidnappé yo et gen moun ki peut-être a fait budget hein pour l'heure yo kidnappé yo et ki j'ai fait hein, pour joindre moyen pour capable payer rançon en réalité difficile pour nous-mêmes haïtiens vivre je dis à qui pas quitter personne indifférent je dis à même l'église pas épanier jusqu'à matin j'en ai dit l'in titio gagné ni un dirigeant l'église qui encore dans mes ravisseurs après nous songer attaque qui était faite dans en premier l'église baptiste rue la réunion à côté gagné un fidèle qui a glacé dans morgue c'est Jack et l'église ça c'est la faille était kidnappé madame ni qui libéré face à ensemble situation ça yo fédération protestante d'Haïti continue à lancer appel d'abord pour libérer pasteur mais tout appel pour inviter autorité au prendre responsabilité au face à situation insécurité ça pasteur Calix Fleridor ou c'est président fédération protestante d'Haïti encore avec nous pour intervention par rapport à gravation situation sécurité à bonjour. Bonjour, M. Pierre Gonel, bonjour, Guerrier, et bonjour, tout staff Radio Caraïbes. Bonjour, peuple haïtien, dans quatre coins du pays d'Haïti, comme à l'étranger. Et bien, matin encore, nous trouvons dans une situation, côté que nous continuons à prévoir, nous bien haut, pour nous condamner tous les actes de kidnapping, vol, meurtre, assassinat, qui continuent à se mettre dans la population haïtienne. Et on va profiter de l'espace ça matin pour adresser qui message à qui est-ce. Eh bien, matin, nous profitons l'occasion ça pour nous adresser premièrement à groupe ravisseur qui continue à se mettre d'œil dans l'église, kidnapper pasteur, fidèle. Yo. Et nous partager toute sympathie, nous présenter sympathie, nous. Et à Idmo, Michel Exil, qui était tombé dans la mission. Et ensuite, tout le monde a kidnappé. Nous avons le frère Nestor Grégory, samedi 2 octobre, il a été kidnappé dans la soirée devant l'église wesleyenne. Et ensuite, dans dimanche 3, côté que même Ravi Sessayo, il est rentré en dedans l'église Jesus Center dans Delma 29. Yo allé avec un pasteur Ferrer et de l'autre fidèle encore. Donc nous venons arriver aujourd'hui à nous voir à Viseyo, pas aucun respect, même pour l'église qui représentait une force morale dans le pays d'Haïti. Et bien aujourd'hui à nous profitons de l'occasion ça pour nous condamner fermement gens des actes qui continuent à produire dans le pays d'Haïti. Nous avons posé peut-être nos questions. Qui côté autorité l'État passé? Qui plan qui fait pour capable freiner gens des actes? Peuple haïtien bouquet, peuple n'a pas qu'à vivre encore, peuple n'a pas de sécurité. Faites-moi. Donc, nous avons demandé ravisseur pour yo capable libérer pasteur Ferrer et tout l'autre monde qui en bas mais encore l'autre fidèle et tout l'autre monde encore parce que population li plonger dans une situation fait noir côté le pas connait qui côté pour mettre pied pas oublier ravisseur n'a fait connait bon Dieu créer tout le monde avec liberté yo ça veut dire intégrité monde personnalité, mon dignité, mon de respecter. Donc, t'as demandé pour nous libérer, pasteur, pour nous sans condition, parce que pasteur, vraiment, les gens, communauté l'a desservi. Et pas bien, un pasteur qui s'en représente dans une communauté. Donc, un pasteur, c'est un berger qui est lié.
Donc c'est l'amour qui a prêché, c'était ensemble qui a prêché. Alors mes amis, n'a demandé comme yo mandé pasteur avec mon yo côté pas jeune comme ça pour yo bail. Donc n'a demandé s'il vous plaît ravissez yo libérer pasteur et ensuite pratique rentrant dans l'église pour nous kidnapper mon yo devant l'église. Mais quel que soit côté n'a fait ça, n'a demandé nous camper freiner gens des pratiques ça yo parce que bon Dieu dans ciel là lui-même l'elle frappe pied lui à la Dieu en pile. Donc alors c'est tout ça que nous te gain matin pour nous dire et n'a demandé autorité l'état yo chef la police là qui ça nous attend encore. Donc pour nous bien rempli attribution nous pour que peuple haïtien capable de vivre en toute quiétude dans pays. Nous profiter occasion ça tout pour nous remercier et toute meilleur yo toute l'autre organisation religieuse et d'autres encore qui t'ont contribué ensemble avec nous à appuyer. Donc un jour, vendredi 1er octobre là, comme un jour de grève en signe de contestation et de protestation, et aussi un jour dimanche là, côté que tout le monde fait habiller, mandé habillé en noir et blanc. Mais ma fait population qu'on a, autorité d'État qu'on est, et nous-mêmes hier soir, c'est une grosse réunion avec un pire représentant meilleur lieu et de l'autre organisation encore. Nous en consultation, qu'on n'y a fait pas de réponse, je vois que nous parlons bien non. C'est tout le pays d'Haïti qui va le camper. Vraiment, donc, soit pays à continuer. Donc, pour nous capables de vivre dans toute quiétude, ou bien l'autorité de l'État a fait un choix, parce que bagaille arrive en côté, donc, pour elle qui dit, même les moutons fâchés, même pied devant les voyer. Donc, nous demandons l'autorité de l'État, yo, messieurs, c'est nous qui là, pour qu'ils garantissent la sécurité du peuple là. Si nous faillons la mission, nous, et bien, qui côté peuple là, lui-même, il va joindre protection et sécurité. D'accord, alors c'est ça que nous avons pour nous dire matin. Nous avons demandé à l'autorité de l'État, ravissez-vous, pour libérer les gens, l'autorité de l'État, prend responsabilité, nous, messieurs, sinon pas capable, messieurs, de tirer la référence. Merci, pasteur Calixte Fleuridor. On a rappelé où c'est président.